افغانستان دوست دارم کوه ها و دشت ها و آبشار ها و شهر ها و روستاهایت را. چرا؟ به خاطر که من یک افغانی هستم. چه سرسبز است دشت هایت، چه باشکوه است کوه ها و آبشار هایت، و چه زیباست شهر ها و روستاهایت و مردم خونگرم و مهربان. و من عاشقانه میگویم ای وطن دوستت دارم. و اما متاسفانه سالهای زیادی افغانستان جنگ است. جم تی مونتاین تی دزیغ tes torrents et t'accompagnent. Pourquoi? Parce que je suis afghan. Quels sont verdoyants tes vallées, quelles sont magnifiques tes montagnes, quelles sont belles tes villes et t'accompagnent. Et ton peuple si brave, si généreux, et moi un amoureux, je te dis, oh mon pays, je t'aime. Malheureusement, cela fait des années qu'il y a la guerre. La guerre oblige les populations à s'exiler de ville en ville afin de préserver leur vie. Pour la plupart, ils quittent le pays. Ce n'est que le commencement. Malgré de nombreuses difficultés, de nouvelles vies dans un pays libre. Ils espèrent tous pouvoir travailler afin d'apporter leur aide aux familles et aux jeunes dans le besoin qui sont restés là-bas. Je souhaite à tous les exilés, tous les pays, d'être courageux et patients. Je sais que c'est difficile, mais comme le disent nos années, si la vie ne t'apporte rien, à toi de créer la tienne. Je m'adresse à vous pour vous faire entendre mon message. Quelle que soit notre nationalité, que nous soyons afghans, tunisiens, marocains, africains, bengalis, népalais ou iraniens. Nous sommes tous des êtres humains désireux de vivre en paix. Inch'Allah, je suis sûr que le jour viendra, croyez-moi, que l'ange de la paix entendre ma prière l'exauce. Amen.